L'inclassable Jean-Jacques Goldman est connu pour ses belles réalisations à travers l'univers musical. Mais cette idole ancrée dans le temps n'est pas seulement focalisée sur cette activité. Il semblerait d'ailleurs que le chanteur ait encore des secrets méconnus du public. On vous dit tout ? Jean-Jacques Goldman fait partie des célébrités françaises qui ont marqué l'histoire de la musique. Il a écrit plusieurs textes dont la popularité continue de perdurer malgré le temps qui passe. Et on peut dire que c'est aussi l'un des auteurs et des compositeurs les plus célèbres de France. Ce chanteur a marqué son début de carrière dans les années 1980. Et dès les premiers passages sur scène, ce dernier a su conquérir le cœur des fans. Une situation qui n'a d'ailleurs pas changé malgré le temps qui passe. À part ses œuvres, Jean-Jacques Goldman est aussi connu pour son excellente performance vocale. On peut dire que sa personnalité l'a rendu unique. D'ailleurs, chacune de ses sorties d'albums a connu un succès encore plus grand que les précédents. Grâce à sa popularité, son nom de scène figure parmi les plus connus même des années plus tard. De plus, il a tout le temps été présent dans diverses collaborations avec des artistes populaires français. Et ce sont d'ailleurs ces collaborations qui lui ont permis d'aller toujours de l'avant dans sa carrière. En 2016, Jean-Jacques Goldman a pris sa retraite anticipée dans sa carrière professionnelle. Cette réalité a chamboulé ses fans qui ont adoré toutes ses chansons. D'ailleurs, cet artiste populaire reste unique par sa façon d'écrire des textes encourageants. Il a marqué les esprits avec de nombreux titres dont « J'irai au bout de mes rêves ». Il en est de même pour les titres « Là-bas et pas toi ». Certes, sa musique fait partie de celles que l'on n'oubliera sûrement pas de sitôt. Mais cela n'empêche pas que le départ de sa carrière trop rapidement a été un choc pour ses fans. La question se pose, pourquoi le fameux Jean-Jacques Goldman s'est-il retiré du monde de l'art ? En vérité, ce chanteur voulait se consacrer un peu plus à sa vie personnelle. Depuis sa réussite, cet homme n'a pas vécu des moments de tranquillité. De plus, il voulait mettre sa famille à l'écart des projecteurs et des médias. C'est pour cela que ce compositeur professionnel a donc décidé de mettre fin à sa carrière. En effet, sa vie se fait désormais loin des caméras en Angleterre avec ses proches. D'après ses dires, la fin de sa carrière était donc parfaitement réfléchie. Mais ce que l'on ignorait jusque-là, c'est que ce dernier avait pourtant continué d'écrire. À vrai dire, Jean-Jacques Goldman a de collaborer avec certains artistes pour la production de chansons en adoptant la discrétion. On peut voir ses œuvres dans la chanson de Florent Pagny, Patricia Cass, Marc Lavoine et d'autres artistes français. En effet, Jean-Jacques Goldman était donc à l'écart de la scène mais pas de sa passion pour l'écriture. C'est pour cela qu'il a été discret pour réaliser ses belles œuvres. En effet, Jean-Jacques Goldman a secrètement élaboré des textes en utilisant plusieurs pseudonymes. Ce chanteur possède 4 noms anonymes pour réaliser ses activités passionnelles. C'est pour cette raison aussi que certaines chansons reflètent encore une partie de ses inspirations.